Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct pour ce premier let's play sur Escape from Bug Island. C'est un survival, ok, horror sur oula, Wii. J'allais dire la GameCube, mais bon, je pense que sur Wii, sur GameCube, il aurait pu sortir. Ok, donc oula, pardon, le micro. Donc je découvre le jeu en même temps que je vais faire le let's play. Parce que sinon, si j'avais dû vraiment travailler le jeu, ça m'aurait ennuyé. Et le principe de faire des... De faire des vidéos, c'est surtout pour s'amuser. Donc il y a des gens qui s'amusent à dire des conneries ou je sais pas quoi. Moi, ce qui m'amuse, c'est de découvrir des jeux. Oh là là, le son est faible, excusez-moi, je vais remonter le son. Bon, alors, c'est un survival horror, il faut sûrement s'échapper de cette île monstrueuse. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un jeu Wii, donc je sais plus du tout comment ça marche. Option, parce que je trouve que c'est... On n'y voit rien du tout. Voilà, sur mon écran, ah ben putain, c'est super, au moins là, je pourrais pas critiquer que j'y vois rien. Enfin j'y vais, j'y vois, et ok. J'espère qu'ils vont enregistrer. Ok, donc on va faire nouvelle partie. On va se mettre en normal, hein. On fait un let's play, donc... Hop. J'ai pas du tout lu la notice. Alors j'ai trouvé le jeu à 5€ complet dans un cache. Je me suis dit que 5€ c'est quand même dans un sens cher, mais après j'ai vérifié, le jeu est dans ce prix-là... Donc c'est tout à fait... je suis content de l'avoir pris. Là, je vérifie, oui, c'est en 50 Hz, comme ça je peux capturer avec Dazzle. Donc ma foi, ce jeu, il paraît que c'est... Il est très mauvais. Moi, je pense que les gens qui critiquent ce jeu, sont tous les gens qui critiquent, c'est des gens qui cherchent le buzz. Donc effectivement, donc moi, ce jeu, je vois pas pourquoi j'irais le critiquer. Sans maintenant, vous pouvez compter sur moi, je ne critiquerai plus rien. Oh, que c'est agréable. Tout sera agréable. Tout ne sera que pur premier degré. Ouais, je me fais une autre idée du paradis. Par exemple, là, je peux vous dire que c'est... Qu'est-ce que t'en penses, que c'est très bien... Je trouve que c'est doublé convenablement. Tu parlais de Michel ? Alors, je pense que pour ce let's play, je vais pas... D'habitude, là, je sais pas trop comment marchent les let's play, mais je pense que la convention veut qu'on laisse toutes les cinématiques. Moi, je pense qu'au bout d'un moment où ça va me gonfler, je vais les zapper, tant pis, même si je comprends pas trop l'histoire. De quoi tu veux parler ? Le but du jeu, c'est de s'échapper. Donc, moi, j'apprécie énormément cette teinte grisâtre marronasse. Je trouve que c'est très intéressant. Les gars, par ici ! Les visages... Hey, voilà, c'est mignon. Regardez, cette espèce ne vit que sur cette île. Les bruitages sont pas trop mal faits. En tout cas, il y a des bruitages. La musique, là pour le coup, elle est pas pourrie. Donc on va se lancer. Hein. Je pense que je ferai des vidéos. Je peux pas vous dire parce qu'au bout, quand ça m'amusera plus, j'arrêterai la vidéo. Et je vais vraiment essayer de. Ah, là, il a parlé, mais c'est plus traduit. Donc là, on nous parle de sortir avec plusieurs mecs. Là, d'un coup, on nous parle de ça, là. D'un coup, on nous dit ouais, que ça, c'est un peu gênant. Leur vie privée, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tout en finesse, ok. Moi, je suis qui dans l'histoire ? Mike, c'est qui ? C'est lui, là, le Ray. D'un coup, il y a Ray. Je comprends pas. Donc, il y a beaucoup de blabla. Là, ça va me gonfler. Il va lui tirer dessus, au mec. Peut-être aussi, en convention, il faut lire... Il faut aussi vous lire les dialogues, mais bon, moi, je fais à ma sauce. Pour le moment... On fait qu'appuyer sur des boutons. Oui, bon, il fait sombre, c'est la nuit. Il fait pas plus sombre qu'au départ, que tout à l'heure. Pour le moment, c'est vraiment chiant. Je pense que cette vidéo, ça va vous gonfler pour le moment. Moi, je veux de suite rentrer dans le gameplay. On peut pas appuyer sur... Oui, j'ai appuyé sur plus pour zapper tout ça. Voilà, on va commencer l'initiation. Donc, peut-être que le titre de cette vidéo... Je sais pas si je vais vous faire un let's play ou un jouant A, parce que
J'ai vu qu'il y a un type, un anglais, qui a fait le let's play du jeu, mais c'est un anglais ou un américain. Moi, je compte vous le faire en français. Il faut chercher, ok. Alors, utiliser. Voilà, vous voyez. Moi, c'est bien, ça me... ça, je gagne du temps. Je n'ai pas à... C'est en secouant le Wiimote. C'est... Attendez, je vais vous mettre le bruit de la Wiimote en même temps à côté. Il fait le bruit, le 1 en même temps. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc là, il faut que j'aille sur le point de la carte. B, ça sert à... C'est le bouton B, je ne sais plus. En tout cas, le bouton... Alors, on est ralenti quand on marche dans les herbes et il y a le bruitage. Donc, pour l'instant, c'est pas dégueu. De toute façon, je vous dis, c'est quand on critique, c'est qu'on cherche le buzz. Donc, je vais prendre un bâton. Je devrais pouvoir me servir de ça. Ok. Ça, c'était l'initiation. Donc, lui, c'est celui qui va casser l'ambiance à chaque fois. Il va nous critiquer et va chercher le buzz. Ok, ben voilà, on appuie sur le bouton. Attends, et maintenant le bouton B. Putain, c'est... Ben voilà, j'ai réussi. Non, là ça me gonfle, on verra après le gameplay. Ok, ben voilà, on a un super gameplay, on est sur la Wii. Ok. Ouais, ça change de geste. Ok, bon. Non, c'est bon. Donc là, c'est le didaxiel. Hein, c'est amusant. Il frappait fort, ok. Ah ben d'accord, j'ai fait en même temps qu'il me montre comme ça. On a gagné du temps. Donc moi, ce que j'attends de ce jeu, c'est de me balader sur une île. Il faut appuyer sur le stick. Ok. Ok, ouais, je donne des coups du micro parce que j'utilise un micro perche, donc je tape dans la perche. Hein. Ok. Et voilà, j'ai fait. Maintenant, on va nous faire quoi? Les attaques latérales, non? Oui, les attaques basses. Attaque plongeante. Vu est-il... C'est long, hein? Alors, appuyez sur le bouton A. Voilà, c'est bon. Ok, bon. Bon, mais il y a quand même un gameplay rigolo, hein. Il va falloir à chaque fois se creuser la tête, souvenir des touches. Bon, je pense pas que ce soit ça le pire, en tout cas. Si il faut se taper des ennemis par le bas et ainsi de suite. Donc ça sera le premier survival horror auquel je joue parce que je possède les Resident Evil. Je crois que j'ai le 2 sur PS1 et j'ai le 4, là je l'ai trouvé l'autre jour sur PS2. Mais j'y ai jamais joué. Hein, ok, il faut trouver des têtes pierres. Alors pourquoi il faudrait pas ramasser plutôt les oranges, si je veux plutôt. Ok.
On peut pas donner des coups. Mais bon, ça facilite, hein, si on nous met le petit point à chaque fois. Où sont les pierres là? Je vois pas des pierres, le petit tas de pierres. Donc là on ramasse, c'est un peu longué, hein, c'est. Je crois que c'est la même animation un petit peu. Que Monster Hunter quand il faut gratter au sol pour chercher des trucs. Donc là j'ai déjà pris l'orange. Si elle n'y est plus, l'orange. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben voilà ce que je me disais, comme j'ai. Ok, oui, mais. Hop, j'essaye. Est-ce qu'on a des pièces, des trucs illimités? Parce que je cherche un petit peu. En tout cas. Ah ben voilà, non, ça c'est nickel, ok. Non, on veut pas s'entraîner. Bon, il y a une altération avec le décor. C'est un peu longué. Bon, bah, je pense que j'appellerai sa première partie didaxielle. Donc, en fait, celle que j'ai prise avant, pendant le tutoriel pour les pierres, en fait, ils l'ont gardée en mémoire. Attendez deux secondes parce que là, je n'y vois rien. Ah, ça y est, c'est. Alors, non, parce que j'ai l'écran. J'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit de faire. Appuyez sur relancer. Balancer vers le haut, ben c'est ce que je fais là. Il y a ma free spiritelle de merde là qui coinçait. De temps en temps, j'ai plus rien sur l'écran. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait là. Je sais ce que je fais. Je balance le Nunchaku. Bon. On va quitter hein, parce que ça n'a pas marché, ça j'ai pas tapé 50 fois. Mais je pense que ce let's play va pas aller loin parce que si. Eh ben putain. Si j'arrive même pas à faire les mouvements de base. Bon. Alors je n'ai pas le motion Wii Plus. Voilà, bien joué. Très très long là ce truc. Putain, ça dure longtemps. Alors bon, vers la gauche. Il me montre, moi je fais bien ce qu'ils me disent. J'ai un problème avec mon capteur je pense hein, parce que là eh ben on va aller loin dans ce let's play je pense. Si la maniabilité est pourrie comme ça. Non, elle est pas pourrie, je suis un rageux. Alors, mode dégagement. Voilà. Et la vue change dès que vous entrez en mode. Ok. Lui, j'ai pas ce qu'il. Lui, il cherche vraiment la merde, ce mec là. Je sais pas comment il s'appelle. Un coup, il s'appelle Mike, un coup, il s'appelle Ray. J'ai pas trop suivi leur système. Quelle la maniabilité est maniable. Alors là, il n'y a plus de voix ou pas. Pas trop compris bien qui propose. Bon, maintenant, il n'y a plus de voix. Hein. «
Alors, il y a un bug de son, mais au début il parlait, maintenant c'est... il n'y a plus personne ne parle. Alors, il n'y avait pas assez de place sur le CD pour traduire toutes les voix. Ça veut peut-être dire qu'il va y avoir un paquet de dialogues comme ça. Bon, on va taper sur plus, ouais, pour zapper. Là, ça commence à me saouler. Je veux voir du gameplay, moi. De l'immersion dans le jeu, parce que là, que du blabla. C'est-à-dire qu'ils sont tous partis. Voilà, il est allé la pécho. Maintenant, je suis seul. Alors, quel est le but de la mission? Je me demande où ils sont allés. Ben, moi aussi, dans ton cul. Mais sur le bouton C. Quel est le bouton C dans... Ah ouais. Bon. Si même sauvegarder, c'est... on va se mettre là. Ok. Bon ben hop. Dans la lampe, dans la tente, je veux dire, il n'y a rien. Hop. Non, on peut pas les rechercher. Bon, on peut pas rentrer, c'est dommage, hein, ça aurait pu être sympa. On va éteindre. Est-ce qu'il y a une jauge, par exemple? Parce que. Ah ben voilà, c'est bien ça. On va changer d'arme, on va voir. Pour l'instant, les musiques sont pas déplaisantes. Hein. Non. Pardon, c'était dans l'équipement, je suis con. Je vais prendre le couteau de cuisine. Voilà. Là, on verra hein, si par la suite... Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Est-ce que pas... Ah, j'en ai quand même 98. On va voir s'il y a, il y a un système de... Comment ça s'appelle? Non, bah il veut pas aller vers la gauche. Hein, il va toujours vers la droite. Même si je fais... Bon, ben la maniabilité va être géniale. Je me demandais juste si... ça va être comme Dark Souls, si l'équipement... attendez, il n'y a pas un truc là. Ouah, j'ai retenu le son. Si l'équipement à force, il s'abîme ou pas. Est-ce que la lampe, pareil, est-ce que... On va monter là-haut. Est-ce que la lampe, pareil, elle se vide au bout d'un moment? J'allais me dire, on peut pas rentrer, c'est bloqué. Pardon. Non, mais bon, d'accord, c'est toujours le même blabla. On peut pas chercher des trucs. J'ai pas envie de lire tout ça. Ouais, on sait pas si ce quand on cherche, ça va être la même chose. Hein, c'est pas comme en Fallout, ou en Fallout 3 où on sait ce qu'on cherche. Là, y a le même bouton chercher, on sait pas si qu'est-ce que, de quoi il nous parle. Bon, non, ça on l'a déjà vu. Bon, ben on va se casser de là. Au moins, il n'y a pas de chargement quand on ouvre la porte. C'est déjà ça de gagné. Alors, la map, c'est bien, se construit petit à petit. Oui, ça peut être sympa. Du coup, on ne sait pas où on va. Ça c'est pas trop mal fait. Alors, je suis un peu frustré. Je peux pas sauter dans ce jeu. Ça, c'est un peu dommage. Ça veut dire que... Moi, que ça servait à rien de sauter dans ce jeu. Non, on peut le chercher. Bon, la toile d'araignée, on peut même pas la casser.
Oh, peut-être que je loupe des trucs. Je sais pas en plus quel est le but du jeu. Peut-être que c'est de rechercher la nana, je sais pas. Ou si c'est juste s'échapper, mais pourquoi l'autre il est parti avec elle bon. Il n'y a pas des pierres à ramasser, non. Un but subjectif, bon, on voit un beau ciel. La Wii a fait à son maximum, là, on a un beau décor. Pas où il faut aller, peut-être que c'est... Il faut que je suive le point rouge, ouais. Je suis pas... Je suis dans le sens inverse où il faut aller. Ma foi, on va essayer d'aller, non, parce que... Ou alors peut-être le rouge, c'est quoi? Non, elle me tourne toujours le dos, quoi que je fasse, donc... Non, on va continuer notre pérégrination, on va chercher les trucs. Pour le moment, je vous rassure, je n'amuse pas du tout. D'un coup là on a le truc bon. Enfin on a la vraie histoire qui commence, ça a mis quand même 20 minutes. Donc là je remue les deux machins de merde là. C'est pénible, hein. Ça on est obligé là de... Ah non. Allez, pousse-toi, on peut leur marcher dessus donc... Encore une truc. Ça va être vraiment un calvaire de vous faire ce let's play de ce jeu. Bon, il y a du bruit là. Pas plus étonné que ça, il a moins peur de là du poisson fluorescent. Ah, c'est les mini-boss de Darius. Est-ce que je peux aller ramasser des trucs? Je sais pas ce qu'il faut faire là. Pour prendre en compte que je tape vers le bas. La maniabilité est vraiment sympa, hein, je peux vous rassurer. Voilà, j'ai ramassé une orange. Est-ce que j'ai une barre de vie? Ok, la orange c'est pour ça. Il n'y a pas de bouton pour courir, hein, ça. Là, j'ai même pas fait. Ah, ok, je suis con. Pour aller à gauche, en fait, il faut remuer le nunchaku. Et pour bouger à gauche, il faut remuer la télécommande. Mais putain. Ok, j'ai déjà fini. Comment je pouvais savoir qu'il fallait détruire autant de machins? Bon, bon là, il faut croire que j'ai terminé le truc. On va sauvegarder. Hein, ça... Je sais pas en combien d'heures le jeu se finit, mais... Moi, j'en ai déjà marre. Si ça peut créer le buzz, remarque. Je vais créer le buzz avec, avec ce let's play de merde. Ben, let's play de merde, voilà, je vais appeler ça comme ça. Comme ça, les gens qui pensent que le jeu est de merde est merdique sont comme... Tout le monde me dit que ce jeu va être merdique puisque JV.com l'a dit, donc... En même temps, j'ai l'alibi. Les gens vont comprendre que... Vont peut-être comprendre, vont croire que c'est que je critique le jeu. Donc ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est un esprit de merde. Mais ils vont pas comprendre que l'adjectif merde, ça... C'est attribué au let's play et non pas au jeu. Mais bon. Là c'est un mini boss. Hop.
Là, j'ai fait n'importe comment et c'est passé. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça a créé tout seul l'attaque. Bon, il suffisait que d'un seul coup. Ouais, j'ai fait... Alors, il est où l'autre? Hop là. C'est ingérable, hein. Je peux vous dire que là... Ok, en plus je suis tombé dans le trou. Putain, il y a tout qui arrive en même temps. Ah oui, non, c'est que quand il y a ça qu'il faut remuer les trucs. La maniabilité est vraiment... C'est vraiment frustrant de devoir agiter la Wiimote et tout. Je peux vous dire que c'est pas... C'est tout sauf un plaisir, ce truc. Donc là, on doit plutôt aller par là-bas. Attendez, je vais plutôt prendre un objet. Moi, je vais voir si je comprends comment on regagne de la vie. Je suis pas sûr, hein. Ok. Est-ce qu'on peut sauvegarder d'ici ou pas? Non, on peut pas. Dommage. Donc on est obligé de... J'imagine qu'ils vont encore sortir. Ah, ça y est, j'ai pas envie de fouiller, c'est tellement pas agréable de manier ce personnage qu'on se dit pas ouais je vais. Bon, là, avec le bruit on imagine qu'il va y avoir quelqu'un mais... on se dit pas hein, je vais pouvoir fouiller tous les recoins du jeu pour aller pourquoi pas découvrir une arme bien, je sais pas, une arme, un couteau machin. Je sais pas si le jeu s'y prête, hein, je sais pas si c'est le but, si c'est. Peut-être qu'il n'y a pas aucune... Déjà, il n'y a pas de play value, alors de replay value, encore moins. Mais encore une fois... Merde, j'ai récupéré aucune orange, j'ai oublié de penser à ça. En fait, de marcher sur les ennemis. Il n'y a pas de titre, je sais pas ce que c'est, ça, ces niveaux à chaque fois, là, si c'est des chapitres... En tout cas, l'histoire... De base, je sais même pas pourquoi je suis tout seul maintenant. On va tester. Si on revient en arrière, est-ce que je peux aller chercher les... Je vais voir. Hein. On va tester ça. Oui, on peut. On peut revenir en arrière du chapitre. Qu'est-ce qu'ils me disent? Parce que tant je peux aller chercher les oranges. Mais si les ennemis sont revenus, on va le savoir de suite. C'est juste pour voir si les ennemis vont revenir, là, les miantes religieuses. Est-ce qu'il est repop? Alors, là, il y a une orange, non. L'orange du marchand n'est pas par ici. Elle n'est pas par là. Est-ce qu'on peut monter? Non, on peut pas. Oh, il y a un truc caché par la droite. Ben voilà, c'est un truc... J'ai bien fait de revenir sur mes pas. Voilà. Hop, hop, hop. Là, il y a un méchant qui me court après. Est-ce que je peux rentrer dans la machine? Ben voilà, j'ai trouvé. Alors peut-être qu'il faut leur courir après. Oula, en fait il faut à pied vers le haut. Attendez. Je sais même pas ce que j'ai cherché. Bon, on va aller par là-bas.
Oui, que je le temps de me pivoter pour vous. Le temps de pivoter, je veux dire, ça bloque pour bloquer la direction, c'est vraiment pénible ce truc. Là, je peux pas monter le moindre petit truc, le moindre petit vallon. Je peux pas, donc je... Ah, là, je peux. Je peux monter par là-haut. Parce que ça va être de caché. Qu'est-ce que je vais trouver, en tout cas là. On se croirait dans Catherine. On grimpe un par un, les blocs. C'est fastidieux. Voilà. Ouais, j'imagine qu'il faut cesser de tomber dans le trou. Hein. Ça va être ça la blague. Non, pas même. Même pas. Alors, il faut être dans un certain angle. Je sais pas trop pourquoi il faut dépasser par là. Pourquoi on m'a fait monter. Ah, attends. Peut-être qu'il y a les oranges en haut. C'est ça le truc. On me fait monter en haut parce qu'il y a quelque chose à aller chercher en haut. Moi, je vois pas. Ah, là, il y a un petit oiseau. C'est... Bon. Je comprends pas ce jeu, c'est pas grave, on va sauter par là. On peut même pas se laisser tomber, il y a des murs invisibles. Ma foi, je comprends pas ce jeu. Marqué descendre. Il faut qu'il y ait marqué descendre quelque part. S'il n'y a pas marqué descendre, je peux pas appuyer sur. Non mais je comprends pas là, je dois louper un truc, c'est pas possible. Il faut bien se mettre en face, on peut pas. Je suis sûr que c'est l'histoire du trou là, il faut. Ce serait con d'y être arrivé jusqu'en haut et au final, bon ben je crois que ça va être ça. J'ai pas accès, ça va être un super gameplay ce jeu. Hop, j'ai fait tout ça pour rien. C'est génial là, je me suis bien éclaté là, c'était rigolo. C'est du fun. C'est que les let's play d'accord, et en plus à quoi ça servait de monter si en fait il fallait aller par là. Donc là les commandes sont inversées. Ok, putain, ma caméra c'est affreux. Il faut tourner le personnage, faut pivoter, c'est comme Legend of the Gobos. Je sais même plus ce qu'il m'a dit, comment on fait pour allumer les lampes. Bon bah tant pis, ça me gonfle, on va se casser de là. Je sais même plus où je suis, où est la sortie de ce truc. Où est la sortie ? Ma foi, on va rester bloqué là. Ah non, quand même. Au final, il fallait aller là, on sait pas pourquoi. Eh ben putain, pour sortir de la merde là. Non, ben c'est là, il faudrait que j'aille. J'y suis, mais il se passe rien. On va se regarder dans les objets. Je sais pas s'il y a un truc qui sert à allumer. Alors les informations, peut-être c'est ça, on va... Non, l'arrivée... Non, c'est pas ça, les commandes, écran de sujet, roule pas en arrière... Non, pas lampe... Non plus, bon, au moins on nous rappelle les mouvements si on a oublié, ça c'est pas mal, hein. Je vais pas critiquer. Ma foi, je comprends pas, c'est pas grave, moi je suis vraiment un attardé mental. Ah, je vois qu'il y a un autre truc à aller chercher. Bon, ça c'est sympa de pas nous le mettre dans la carte, c'est que si on avance, qu'on découvre le petit point jaune.
ça fait une petite... On doit quand même se prendre la tête, puisque ouais, que là, faut que je fasse le détour. La carte que se découvre que petit à petit quand on marche. Ça, c'est bien vu. Ça fait qu'on se sent un peu plus perdu. Pour l'instant, il n'y a pas de grosses flèches qui nous disent « va là » et puis « va là ». Donc du coup, pour le coup, je suis vraiment perdu là. Je sais plus du tout si je veux aller dans le truc d'après. Je sais pas du tout où il faut aller, quoi. Là, ça me fait vraiment penser à Kingsfield quand on ramasse des objets, tellement c'est mal fait. Et l'objet qui tourne. Donc là, on voit Syndrome Dark Souls. Il n'y a pas de musique dans ce jeu. En tout cas, pas pendant les phases de jeu normales. Il n'y en a que pendant le boss. Attendez, non, je vais d'abord. Bon, on va rentrer. Alors, on va essayer de... J'ai des renvois, c'est le jeu. Ah non, la lampe, qu'est-ce que c'est ce truc? On me dit d'aller là, mais si il n'y a rien à aller chercher... je veux bien y aller, mais peut-être qu'il fallait pas y aller maintenant, je comprends pas. Je comprends pas trop ce jeu là, ça me saoulait. Alors c'était juste aller chercher le texte, c'était ça la blague. Bon, je ramasse des champignons, peut-être que ça va donner je sais pas quoi. Pour faire un je sais pas truc, on va ramasser un autre. Les bruitages sont au bout d'un moment répétitifs. Le quand même, attendez, j'arrive pas à voir où est le nord, où est le sud, donc c'est pour se repérer. Je vois pas trop comment je vais faire. Moi, ça va que visuellement ça se répète pas trop. On voit qu'il y a plusieurs, le relief change, quoi. C'est pas juste un truc plat. On n'est pas justement dans comment ça s'appelait, Eternal Ring, où toutes les pièces se ressemblaient. Là, il y a un mur invisible, je pourrais pas descendre. Non, voilà. Alors, je crois que jv.com disait que ce jeu, on pourrait pas en voir la fin tellement c'était ainsi pas, tellement c'était ennuyeux et que les gens en auraient marre avant de finir. Donc j'espère, je sais pas, j'aimerais vraiment arriver à finir le jeu, mais je suis pas sûr. Là, j'en ai vraiment ma claque. Je pense que je ferai ça à petite dose à chaque fois que j'ai pas assez cherché le buzz, je fais ça. Comme ça, on peut vraiment... C'est pour donner raison à ceux qui disent que je cherche le buzz. Donc, quoi que je fasse, maintenant, je cherche le buzz, il paraît. Quand quelqu'un m'insulte, c'est moi, soi-disant, qui ai créé ça pour faire un auto-buzz ou un auto-clash. Ainsi de suite, quoi. Donc, alors, là, j'y suis déjà allé. Là, il y a le trou. J'ai plus du tout où il faut aller. Qu'est-ce qu'il faut, quoi faire. Où est le schmiblick? Je sais plus où était le départ, quoi. Ça, j'imagine qu'en bas, c'est encore retour en arrière. Ou est-ce que c'est là où il fallait aller? Je sais plus du tout. De mémoire, je suis venu de là, non? Elle vient de là, elle vient du blues. Je sais plus du tout. Ça, on va voir ça. Donc là, il n'y a pas de gestion d'alimentation. Je veux dire, on n'a pas faim petit à petit. Et après, on a notre truc qui... Par l'énergie qui tombe. Hein. C'est juste... tant qu'on ne se fait pas toucher, on perd pas. Voilà, ça fait 40 minutes. Ça fait quand même longtemps. Je vais essayer de finir le prochain niveau. Non, j'ai pas vu les oranges du marchand. Ah, en plus, tomber dans les pièges, ça fait des points bonus. Qu'est-ce que ça nous apporte de décocher ces bonus? Parce que là, je vois pas de points. Je vois pas trop à quoi ça sert. Non, ben ok. Effectivement, là, c'est de là que je viens tout à l'heure. En gros, il faut toujours aller vers le haut. Si c'est ça, j'ai compris, c'est toujours aller en haut. Pour avancer de niveau en niveau. Donc le nord, en fait, c'est le nord de la carte en bas à droite. Hein, je pense que c'est ça, en tout cas. Ce
qui est bien, c'est que la carte tourne, parce qu'il y a des jeux où il n'y a pas de... pas d'identification, mais il n'y a pas la polarité, je ne sais même plus comment on dit. Et en plus, la carte tourne. Là, non, elle ne tourne pas, donc effectivement, ça sera toujours comme ça. J'espère qu'il n'y a pas y avoir les sauterelles qui vont me foncer dessus. Donc là, je vais prendre le raccourci, je vais aller à droite. Il faut vraiment appuyer à fond sur le nunchaku, là, sur le stick gauche. Oh putain. Bon, ben elles reviennent, ces connes. Voilà, j'ai au moins ramassé une orange du marchand. Alors on va essayer de faire Benny Hill, c'est-à-dire qu'on va essayer de se casser du chapitre sans en avoir tué une. On va essayer. Voilà, avant qu'elle arrive vers moi, ce serait sympa. Ah ben voilà, dès que je suis loin d'elle, je l'ai squeezé, je sais plus comment on dit. Elle a disparu. Ça c'est bien à savoir, les ennemis, quand on arrive à les semer, ils disparaissent. Donc là, elle revient. Bon, en fait, en gros, il faut courir, il faut donner un coup de nunchaku pour arriver à la... Je sais même plus où je vais, moi. C'est pénible, ce jeu. Pour l'éviter, elle donne son attaque, et là, il faut... Mais c'est pas évident, elle a le gymnastique d'appuyer sur le bouton pour appuyer. Parce qu'en fait, il faut appuyer une fois, ça bloque l'écran, que si on appuie sur le deuxième après, mais si on appuie sur le deuxième en premier, ça fait pas la même action. Au lieu de faire un bouton par action, c'est plutôt un enchaînement de trucs. Allez, on va retenter, peut-être que là il va comprendre ce qu'il faut faire, le mec. On me dit d'aller en haut quand même. C'est pénible ce truc, hein. Je comprends pas trop. Bon. Est-ce que c'est la vue subjective? Je sais pas, moi. Est-ce que c'est en vue subjective qu'il faut que je rate quelque chose? Je n'ai rien à lancer, alors. Bon, je sais pas, peut-être qu'il faut tuer. Il y a des oiseaux, non? Il y a un oiseau qui va se pointer. Je comprends pas trop, quoi. C'est pénible, ce jeu. Hein. C'est... voilà, quoi. Donc, en gros, ouais, je retourne... Du coup, je sais même plus où c'est qu'il faut aller pour finir le niveau, là, parce que... Hop. Je sais plus du tout. Je pense que l'autre, il va encore venir et me faire boum, boum, boum. Là, là. Attendez. Oh putain, ils me font chier à leur système. Hein. Alors, comment vous expliquez? Oh putain, on n'a pas le temps de ce truc, il faut... Oh putain, c'est pénible ce truc. Eh ben, enfin on a réussi à... Tout ça pour ça, quoi, bon. Je vais me remettre le couteau, parce que là, ça sert à rien. Je vais mettre le couteau. Putain, si maintenant il y a même la pile de pute qui marche plus. Bon, je sens qu'on va bientôt arrêter là. Hein. C'est tant pis, c'est vraiment le let's play de merde. Ok, ça continue.
Donc, bah, écoutez, c'était le. J'aimerais bien quand même pouvoir sauvegarder avant de me casser là, parce que tout ça pour ça, quoi. C'était ce premier let's play de merde sur Escape from Bug Island. Je pense que vous avez passé un agréable moment en compagnie de ce jeu. Bon, c'est... voilà quoi. Ciao Pépito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces. Je n'ai jamais eu. De boutique price ministère. Et la à réponse... aucun moment.